Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite pépite que j'ai découvert. Peut-être que vous connaissez ou pas, puisque c'est vendu et conseillé en pharmacie. Donc, c'est la marque Les Petits Prodiges qui propose une baume magique. Alors, c'est 100% naturel, 100% noté sur Yuka, vendu et conseillé en pharmacie. Je répète. Donc, le baume magique, c'est quoi? C'est un baume, en fait, à multi-usage qui se présente comme ça. Donc, vraiment, vous en mettez un petit peu, ça a un côté un peu huileux et ça va remplacer en fait 10 produits de votre salle de bain parce que ça va traiter la pointe de vos cheveux. Vous pouvez vous en servir en démaquillant, pour la barbe, pour les irritations, pour l'eczéma, pour le psoriasis. Ça va vraiment tout traiter et c'est 100% naturel. Moi, je me suis brûlée tout à l'heure d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez là, avec de l'huile et je l'ai appliqué et ça apaise directement. C'est génial. Et ce que j'aime encore plus, c'est que les petits prodiges ont pensé à nos petits bébés. Du coup, vous avez un baume magique sans parfum, donc que vous pouvez utiliser dès la naissance, que ce soit pour le change, pour la peau ou autre. Et donc moi, je l'utilise pour Casey parce qu'elle a la peau atopique. Donc c'est vrai qu'elle se plaint souvent de sa peau, ça la démange, elle a la peau sèche. Et Casey se fait souvent piquer par les moustiques, comme moi d'ailleurs. Et du coup, elle gonfle. Et depuis que j'utilise le baume magique, Casey ne se plaint plus du tout. Donc je l'utilise même pour les boutons de moustiques. Vraiment, pour hydrater la peau, pour les boutons de moustiques. Et pour nous les adultes, vous pouvez très bien l'appliquer, j'ai oublié de vous le préciser, que ce soit sur le corps ou sur le visage. Vraiment, si vous avez jamais testé ce baume magique, il faut vraiment le tester. D'ailleurs, c'est une petite marque, il y a rarement des promotions. J'ai moins 15%, donc n'hésitez pas pour vous ou pour vos bébés. Vraiment, c'est une pépite. Vous savez aussi que je ne me maquille pas forcément à part du mascara. Donc, je l'utilise aussi pour me démaquiller et ça marche super bien. Mais je l'utilise, vous pouvez l'utiliser aussi pour les lèvres. Si vous avez du rouge à lèvres qui a du mal à partir, ça part super bien. Mais moi, pour hydrater, hein, le soir avant de dormir, et je vous dis vraiment, vous en avez pour un long moment parce qu'il suffit vraiment d'en mettre juste un tout petit peu. C'est vraiment comme, vous voyez, ça fait une huile en fait. Et ça hydrate tellement en profondeur, ça protège votre peau. C'est génial. Voilà. Vraiment, je ne mens pas du tout. Donc, je l'ai pris à la fleur de coton et en petit format au mon oeil. Mais vous avez plusieurs senteurs aux fleurs d'oranger, etc. Vraiment, les mamans, même pour vos bébés, testez. Vous allez vraiment me remercier.